L'ignorance qui maintient dans la souffrance. Bonjour, je suis Caroline Durand, naturopathe et experte en santé aromatique. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'Annick, de l'ignorance qui l'a maintenue dans la souffrance. Laissez-moi d'abord vous présenter Annick, parce qu'Annick, c'est une femme qui est vraiment dévouée envers sa santé. C'est une mère qui a une adorable petite fille de 2 ans qui s'appelle Mia, pour qui elle ferait n'importe quoi et est prête à lui offrir le meilleur. J'ai rencontré dernièrement Annick dans un séminaire auquel on assistait toutes les deux. On faisait la route ensemble, on voyageait ensemble. Et pendant le voyage, je l'ai écoutée me raconter à quel point elle était malheureuse dans son corps, elle souffrait et à quel point sa qualité de vie avait beaucoup diminué dans les derniers mois à cause de problèmes digestifs qui l'amenaient dans un état d'épuisement qui la rendait non fonctionnelle. Elle avait perdu l'appétit, elle devait contrôler tout ce qu'elle mangeait, même après avoir investi plusieurs milliers de dollars, elle voyait pas vraiment de résultats significatifs à son état de santé. J'ai demandé, qu'est-ce que tu connais des huiles essentielles? Sa réponse, comme celle de beaucoup de gens que je rencontre, a été que les huiles essentielles, ça sert surtout à créer des atmosphères. C'est des parfums d'ambiance, un peu des sens bons. Elle connaissait rien de tout le potentiel exceptionnel des huiles essentielles. Et pendant ce temps-là, eh bien, elle souffrait, elle était épuisée, elle devait se reposer régulièrement, elle était beaucoup moins présente pour faire des activités avec sa fille, avec son conjoint, et même sa vie professionnelle avait pris un coup. Alors, quelques jours après, j'étais à la maison, j'étais en train de préparer une formation et l'idée m'est venue de lui envoyer une invitation pour assister à cette formation. Et le matin de la rencontre, elle est arrivée et la première chose qu'elle m'a dit, c'est « Je ne sais pas trop ce que je viens faire ici, mais je sentais que je devais être là. » Alors, je vous la laisse raconter ce qui s'est passé par la suite. Bonjour, mon nom est Annick Garraud du Québec. Je veux vous partager aujourd'hui ma grande découverte des huiles essentielles. Pour moi, avant, les huiles essentielles, c'était des essences qui sentaient bon. J'aimais moi-même ajouter des mélanges d'huiles essentielles dans un petit peu d'eau, puis mettre une chandelle en dessous pour que ça sente bon dans la maison. Donc, ça se résumait à ça, mon utilisation des huiles essentielles avant. Récemment, j'ai suivi une formation avec une aromathérapeute qui s'appelle Caroline Durand. J'ai été vraiment flabbergastée, pour utiliser une expression pas très francophone, blown away de la puissance des huiles essentielles. On peut vraiment avoir une pharmacie à la maison d'huiles essentielles pour les petits bobos, pour toute la famille. Puis moi, j'avais un problème au niveau de ma digestion. Puis quand je suis arrivée à cette formation-là, j'avais un problème d'appétit. Ça faisait des mois que j'avais plus faim. Aussi un problème au niveau de ma vitalité. Puis des ballonnements aussi. Donc, Caroline m'a suggéré d'essayer une recette que j'ai concoctée, que j'ai commencé à prendre. En moins d'une semaine, j'ai vu les résultats au niveau de mon énergie. Ce mélange-là, c'était vraiment ce que Caroline m'avait dit, ça va supporter ton foie parce que je m'en allais dans une détox, puis aussi ça va t'aider au niveau de ta vitalité. Et en moins d'une semaine, j'ai rapidement vu la différence au niveau de mon énergie. Avant, j'étais plus pas de motivation, une énergie très stagnante, où est-ce que mes journées étaient très difficiles, le lever était difficile, avancer dans ma journée, tout était très difficile. Puis, du moment que j'ai pris les huiles essentielles, j'ai commencé à voir que j'étais vraiment tirée vers l'avant, une motivation à avancer, à être en action pour ce qui était important pour moi dans ma vie. Donc, vraiment, en moins d'une semaine, j'ai vu les résultats, puis ça a été comme vraiment surprenant, tellement que je me suis posé la question si ça avait rapport avec les huiles essentielles, puis que c'était pas juste un add-on. Puis, après avoir parlé avec Caroline, j'ai vu que en effet, les huiles essentielles, c'est très, très, très puissant, puis ça peut agir à beaucoup de niveaux.
Puis aussi, avec l'amande poivrée, j'ai recommencé à ressentir la faim en moins de 24 heures après avoir pris une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée en soirée après un repas qui me faisait sentir très lourde. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec la faim. Et c'est vraiment unique pour moi parce que je ressentais plus la faim depuis des mois. Donc, c'est juste pour vous montrer la rapidité avec laquelle les huiles essentielles sont capables d'agir. Et donc, voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Ce que ça l'ouvre pour moi aujourd'hui, bien, c'est un nouveau monde de possibilités, en ce sens que je sais que les plantes sont là, très, 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 très concentrées. Ça vient donner à notre corps ce qu'il a besoin pour s'auto-guérir. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Je suis très heureuse d'avoir découvert la puissance des huiles essentielles et d'avoir joint la formation avec Caroline Durand, d'en apprendre toujours plus pour supporter moi et ma famille. Alors voilà, j'espère que ce petit témoignage vous encouragera. Si vous vous sentez stagné au niveau de votre santé, je vous invite à essayer les huiles essentielles. Vraiment, pour moi, pour ma part, ça a fait une différence, puis une différence très rapidement. Au plaisir! Les huiles essentielles ont un potentiel qui est immense et peut-être que vous aussi, comme Annick, vous souffrez inutilement simplement parce que vous ne connaissez pas toute la richesse qui se cache dans les huiles essentielles. Si c'est votre cas, j'ai justement préparé une série de vidéos gratuites où je vous donne des solutions très concrètes sur plusieurs problématiques comme comment augmenter votre niveau de vitalité en moins de 10 jours. Et si vous voulez, vous pouvez les recevoir gratuitement tout simplement en cliquant sur le lien qui est juste en dessous. Et comme Annick, ben c'est possible que des nouvelles portes s'ouvrent pour vous et vous donnent accès à une autre réalité et que vous puissiez retrouver l'espoir, l'énergie nécessaire pour réaliser vos projets. Alors d'ici notre prochaine rencontre, je vous invite à vivre le meilleur de votre vie et on se retrouve très bientôt.